Et retournons sur les vidéos où il y a autant de public qu'au stade Marcel Picot. Je parle bien sûr de mes vidéos sur LFP Manager avec l'AS Nancy Lorraine. L'AS Nancy Lorraine qui a signé une belle victoire hier, 1 à 0, but de Koura. On peut dire que lui pourtant il ne marque pas couramment, lol. MS a pris 5-0 contre le PSG. Bref, prochain match Bordeaux, la Russie. Oh putain, là il y a des petits matchs, on va peut-être faire un peu le plein de points, pardon. Ce serait pas mal. Parce que là donc on est 19ème, c'est ça? Ouais, 19ème, oh putain. Kavenagi, Fred ou Taiwo. Oh, qu'est-ce qu'il était nul à chier. Il tirait dans les tribunes le mec, il savait pas tirer. En même temps il était arrière gauche ou arrière droit. Oh putain, c'est le meilleur joueur de Ligue 1, d'accord. Alors Bordeaux, bon on devrait se faire défoncer contre les Bordelais. C'est con de Bordelais, alors. Oh putain, ils sont nuls mon équipe. Plus je regarde. Paprika, milieu gauche. Orta Issardia, même si c'était un peu nul à chier. Du chemin, c'était bien démerdé. Hein. Mais Merengue, tu fous pas grand chose. Ouais, mon équipe est là. Joue-moi, moi, Gaston Colbado, je suis prêt. Oh, regarde, je me mets là. Ok, bah si tu veux, Gaston. On va tenter Macaluso, tiens. Le petit pari Macaluso à la place de Ouadou. Oh putain, engagement, ouais, très élevé, les gars. Jouer la monte à la fin. Oh, ligne défensive très très basse. Tire de loin, piège du hors-jeu. On va les choper en piège du hors-jeu. Ah non, mais dans ce cas, il faut que je me foute en haut. Contre-attaque, hein, on peut pas se faire chier. Ok. Alors, fin de supervision. Ouais, Bordeaux. Ouais, rien d'intéressant. Un petit joueur sympa. Non. Putain, save. 4 et 8 étoiles. Ah ouais, non, mais ils abusaient. Ils avaient qui Bordeaux un peu à l'époque? Ouais, bah Kavenagi il était bon. Wendel, Planus. Putain, il y avait Cuff-Cuff, attention. L'excellent Cuff-Cuff. Putain, le mec, il nous le vendait comme le champion. Le futur sauveur de la France, le mec, il a fini l'infirmerie, on l'a plus jamais revu. Ouais, c'est parti. L'instant là. Youssouf! Oh putain, puis Elder qui se blesse. Oh, bah, espèce de con. Allez, Bianca, Bianca! Avec son gros nez, ça passera pas. Il va faire un mur avec son gros nez. Ah merde, dans un. Bah, écoutez, là, on va tenir le match nul. Putain, Issardia, il fait nimp. Zerkia, Zerkia, faudrait que je te chante. Zerkia, ouais. Nguemo, il est là. Le Landry, là. Qui signifie lessive en. Non, ou Lavery? Lavery en anglais, ouais. Lavery Nguemo. Lavery Nguemo. Oh non, 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 non! Ne regardez pas, ne regardez pas, ne regardez pas! On a pris 6-1, putain, mais non, mais gros, tenez le score, on va te faire foutre, putain! Dis donc, Lavery Nguemo, t'as été un peu essoré, lol. Ah non, mais putain, mais. Bon, allez, laissons tomber. C'est un non-match, c'était une erreur. Vous n'avez rien vu. Putain, on a pris 6-1. Ah putain. Elder blessé. 10 semaines. Ah ouais. Bon, alors on verra plus Elder. Issardia impuissant. Ah bah écoute, faut prendre du Viagra, Issard. Il n'a pas marqué depuis 676 minutes. Voilà, fauteuil presse. Bah oui, 15 000 euros pour ces cons. Bon, c'est un peu la bérésina. Alors je voulais voir. Ah oui, je voulais voir mon groupe en. Parce que bon, le championnat c'est un peu perdu, hein. Je ne sais pas si vous avez rendu, vous êtes rendu compte, mais. Où est-ce qu'on va par contre pour les. Ah non, c'est ici. Ah non, merde, c'est même plus ici. Ah oui, ici, pardon. Oui, je voulais voir mon truc européen. Non, mais pas ça, putain. Je vais voir où on en était dans notre. Oh, puis on s'en fout, on verra plus tard. Où on était dans notre classement, donc. Contre Moscou. Moscou. On pourrait les battre, Moscou. On pourrait. Bon, Stanislas. Eh, c'est la place Stanislas Ivanov. Ouah, nos juniors sont bons quand même, eh. Je veux pas dire. Oh, Godu. Bien joué, Godu. Avec un nom pareil, tu tireras pour long dans la vie. Oui, ici c'est le coefficient européen, je n'en ai peut-être pas parlé. Donc plus votre coefficient est haut, plus vous avez de places qualificatives dans votre pays. Donc vous voyez qu'ici c'est l'Angleterre qui est le plus élevé. Donc ils auront plus de places pour les Coupes d'Europe. Donc nous on est cinquième. Même actuellement on doit être cinquième à la lutte avec le Portugal et avec la Russie aussi.
Donc si vous jouez avec une équipe luxembourgeoise, vous êtes 46e à peu près. Ah là là, j'en peux plus de cette équipe. Regardez, mais Junior 4-2. Regardez, c'est Bob Marley qui a gagné. Oh, c'est Balmont. Le Locomotive Moscou. Bah, j'imagine que c'est le Locomotive. Ça, c'est pas son vrai blason, bien sûr. Vous avez vu. Roberton, 8 étoiles. On m'a arrêté, c'était une rikiche ce mec. Et Freddy Adu. Est-ce qu'il était nul? Ouais. Non, je sais même plus où on voit l'état pour voir. Oh, tant pis. Bah, il faudrait qu'on les batte un peu, Moscou. Je mise tout sur la Coupe Europa, de toute façon. Le club du a déjà remporté son championnat de reprise. Bon, c'est pas le Locomotive, si. Ils l'ont gagné que deux fois. Oh putain, il y a eu des Mwingi, attention, ça va rigoler. Alors. Bah, écoute, Dia, t'es nul, fortuné. Oh non, non, non. Allez, Gaston, c'est ton jour. Oui. J'aime le foie russe. Moi, j'aime boire des margaritas. Aïe, aïe, aïe. Putain, t'es vraiment nul, Gaston. Si tu marches, je te titularise à ton prochain match. Bah du coup, Elder est blessé. En fait, j'ai plus le milieu gauche, de derrière gauche. Il me reste plus que Valbianca. Macaluso, je vais peut-être te faire rentrer en jeu, je pense. Il est où Bianca? Pas Dalton, va remplacer lui. Hop. Bon, les mecs, cherchez pas, on joue pas la montre. On y va et vous foncez. Pas de tir de loin, pas de piège du hors-jeu, pas de contre-attaque. On fonce, on y va. Tout pour l'attaque là. Et on aura un nouveau meneur, les gars, ce sera du chemin. Vous m'écoutez du chemin. Je sens qu'il est bon du chemin. Avant-puissant. Oh, Gaston Curbelo, tu sais, c'est un bon avant-puissant. Et n'oubliez pas, 27 buts en 182 matchs. Ça, c'est l'élite, quoi. Ouais, tout se casse un peu la gueule quand même. Ouais, ils ont pas une super grande équipe, putain, il est vraiment dégueulasse le look. Bref, allons-y. Allons poutrer du russe. Messieurs, je vous dis, Zatnis. C'est-à-dire ta gueule en russe. Zatnis Ismonik. Et voilà, et mon Bianca. Écoutez, le mur d'Adrien. C'est son nez le mur. Oh putain, et trop bon. Bien joué, franchement Bianca. Eh Gaston, 13 sur 20. Ah Gaston, ah Gaston. Il méritait au moins 22 sur 20. Allez Marc-Antoine, hop. Adelton, non Chrétien. Eh, vous voyez, ma bonne défense s'est bien démerdée. Remarquez que Bianca Lani qui a marqué la 11. Ah gars, non, tu crains. Bon allez, Berenguer, tu rejoues. Allez, Makalu, non. Allez, Rivière. On y va, on y va. Oh mais putain, Dmitri Torbinski. Ouais, du chemin qui se prend son petit rouge, allez. Pff, bon allez. Laissez tomber. Non, je t'ai plus. Bah 1-1. Finalement 1-1, je prends. Et Gaston n'a pas marqué, hein. 1-1. Putain, et deux tirs, on a fait deux tirs. Et du coup, on est quand même deuxième avec deux nuls. Hein, c'est pas trop mal. Deux nuls, notre prochain sera contre les Young Boys. Ah, les Young Boys, ça va être chaud. Et Everton, on va se faire torcher. On peut encore se qualifier, les gars. Alors, regardons un petit peu pour les autres. Vous voyez que le Stade Rennais a fait. Ils ont joué qu'un match, donc ils l'ont perdu. Bon, bah, c'est le Stade Rennais, quoi. Stade Rennais, c'est quand même les mecs, le seul club qui arrive à se faire piquer ces deux Coupes de France. Piquer, dans le vrai sens, hein. Ils se sont fait voler leur trophée. Ils ont deux Coupes de France, ils les ont fait voler. Saint-Étienne, ils ont fait quoi? Un match joué, un match gagné. Oh, c'est bien pour Saint-Étienne. Marseille premier. Oh, pas mal. Deux matchs gagnés. Ok, donc il n'y a plus que ça. D'accord. Bon, bah, un petit match nul. Écoutez, je prends. J'ai pas mes juniors là. Non, je dois être des juniors. Ah, Valenciennes. Bon, alors là, les mecs. Là, les gars, on y croit. Franchement, contre Valenciennes, qui est 18e, nous sommes 19e. Là, j'y crois. Gaston, Oui. tu seras mon fer de lance. D'accord. Et je vais jouer Dia. Pour une fois, Adji, je te laisse de côté. Tu n'as pas à jouer tout ton talent sur cette équipe si faible de Valenciennes qui a. Ah, oh, c'est 129, on va aller les foncer. Je vais jouer Malonga plutôt que du chemin. Je vais faire un peu tourner parce que contre eux, je devrais. Dans les faits. Oh, tiens, Uzumaki là. Ah bah Ferret, tu vas revenir. Je vais faire jouer un peu Neustadter. Et tiens, Kamani, on va tester contre eux. On verra bien. Mise à jour, ok. Je voulais voir un petit peu où en était ma réserve. Ma réserve actuellement 14e. Bah écoutez, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus, 4 matchs nuls. Bah c'est pas trop mal, hein. Franchement, comparé à l'équipe
L'équipe de base. Hein. Ah, Kokiaba, c'est le retour, vas-y, Charlie 2. Bandjar 2, tiens. Non, non. T'es un peu nul à chier. Steve Roux, il est où? On espère quand même une victoire, hein. On va pas se mentir. 3 points, ça nous ferait du bien. Mais regardez-moi ça, quoi. C'est Valenciennes en face, ils ont pas d'équipe, sérieux. Allez, Meranguet en attaque. Tchameni, dégage, tiens. Tous une Cucurbelo. Carton rouge, André Luce. Bon, on s'en fout. Oh, il a marqué! Gaston, le gars. Oh! C'est le but de Gaston Courbelo! Eh, mon Gaston. Oh putain, il avait joué que deux matchs. Célébrons tous le 24e but de Gaston. Toi vous, j'ai donné la victoire à mon équipe. C'est grâce à moi, tout me titularise là, encore une autre fois. Alors on verra Gaston. Non, par contre, André Luce qui s'est pris un rouge. Eh, écoutez, enfin une belle victoire, ça fait plaisir. Putain, on perdait 1-0. Eh, mais mon Gaston direct. 53e, ça aurait été mieux à la 54e, mais bon. En passant mon meilleur buteur de 4 buts, ne l'oublions jamais. Et je suis toujours 19e. Bon. Mais à 2 points. À 2 points du 17e. Eh, Paprika dans l'équipe du jour. Dans l'équipe de la semaine, pardon. Ah bah c'est bien. C'est bien, enfin une victoire. Merci. Merci Seigneur, plus près de toi. Ouais, quand il faut que je les défonce. Non mais là je rigole pas. On a perdu contre Compiègne. Ah ouais. Quand même. Je sais même pas où ça se trouve en France. On va dire dans le centre. Près de Bourges? Ouais, non? Clermont-Ferrand? Non, c'est dans les coins? Dans la Creuse? J'en sais rien. C'est pas dans le 54, alors je m'en fous quoi. Vous n'avez même pas une équipe en Ligue 1? Bah, ah, même pas, je parle de vous. Ah, tu as le sort de la Coupe de la Ligue, donc la Coupe Peach. Olympique Lyonnais Saint-Étienne, ah oui, pas mal quand même. AS Monaco, Sochaux Auxerre, ouais. Toulouse Grenoble Foot. Ouais, je mets une pièce sur Lyon. Lyon, ils vont la gagner, je pense. Quand? Bon, quand on devrait les défoncer? Oh, la sélection! On a un match bientôt? Ah ouais? Dans 6 jours, on affronte la Géorgie. Ouais, bah ouais, écoutez. Qui en met forme? Ah, Yoann Rivière, je regarde. On a Gaston Curvelo. Attention, il a mis son but. Il a prétend une place de titulaire en équipe de France. On verra avec Gaston. Oh, Franck Ribéry, vas-y, on prend la place de Kamel. Kamel Meriem. Normandie. Ah non, mais j'ai calvé, il est meilleur que Sagna et Zébina. Hein. Alou Diarra, putain, quel quiche ce mec. Oh là là. Perrin, Flamini, Malouda, bref. Qui je pourrais prendre? Ah, j'y vais comme ça au talent. J'ai pas de blessé? Non. Bon, allez, hop, c'est bon. Quand? Bon. Les Normands de Caen. Ils ont changé de blason d'ailleurs, maintenant ils ont une tête de viking. Leur nouveau blason. Leur nouveau blaze. Voilà, je vais foutre la grosse équipe. Putain, j'ai Mickey, il est KO. Mickey donc a pris trop de jaune. Donc finalement, il est suspendu un match parce qu'il a beaucoup. Il a pris trop de jaune. Donc c'est Adelton. De carton jaune donc. Donc si vous prenez deux jaunes dans un match, vous avez un carton rouge et vous êtes expulsé. Si vous faites une grosse faute, vous avez un rouge, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Le foot, ah oui, j'ai même pas de défense, putain, on y va. Avec Samy? Écoutez, Samy il arrête bien les fantômes, il arrêtera les méchants. Les méchants attaquants. Ah Gaston, t'as marqué ton but, je te laisse. Merci, merci. Je vais en mettre au moins 10 à Caen. Même 12. Ouais, d'accord. Je vais garder Neustadter, il était pas mauvais pour le match là. Malonga, ouais, moi ouais, je vais peut-être foutre Béranger quand même. Ferré Brison, Brison il a bien joué donc je te garde. Pourquoi j'ai ça? Il doit être un mec de ma réserve qui est capoute. Ok, on s'en fout, on s'en fout. Ah ouais, Kamerlin. Vous savez le mec qui a fini à Forback. Ah bah regardez, c'est Flo-Flo. Ah Flo-Flo Philippot, allez vas-y. Vas-y. Réunis tous les patriotes. Et gagne-nous ce putain de match. Une petite victoire sur Caen, ça nous laisserait peut-être sortir de la zone. Ah non, il y a encore Valenciennes devant.
On ferait pas qu'on finisse en Ligue 2, ce serait un peu. Ouh! Eh, ça y est, il est lancé là. C'est bon, j'arrête plus. J'ai déchaîné un monstre. C'est un peu comme Hulk. Putain, même Issardia qui marque moins de buts que Gaston Curvelo. Non, mais soyons sérieux, messieurs. Oh, on a relâché la bête. Oh putain, eh. Gaston qui nous sauve. Regardez, eh! Mais casse-toi, Dalton! C'est moi le meilleur joueur! J'ai mis un but, toi, Dalton! Qu'est-ce que t'as foutu? Espèce de piton coulé! Il a des boutons, madré! Ah, deux tirs de but. Ah, deux tirs cadrés. Écoutez, Gaston, ça y est, j'ai relâché la bête. Et voilà, nous sortons de la zone rouge. Grâce à qui? Grâce à Gaston. Bravo, Gaston. Et premier. Oh putain, premier, c'est Saint-Étienne? Oh, Paris, Larcher, Lyon, Marseille, Monaco, ils sont dans les choux, putain, vache. Saint-Étienne premier, vache. Ah, on me l'aurait dit, je vous aurais dit. Enculé Dalton, c'est mon Gaston le meilleur, il a des putains. Ah, Gaston, il va avoir la grosse tête, je pense. Oh putain, même la réserve a gagné grand sac à l'Anquin. Ça fait penser à Arlequin. Où est Pantalon? Il a écrit Kazaraï. Parce qu'elle est sans chemise, sans pantalon. Oh putain, quelle référence. Oh, tous ces lancéens sont internationaux. Eh bah dites donc. Oh putain, quelle partie. Ah, France-Georgie. Oula. Ah putain, il s'est blessé Henri, merde. Bah, qu'est-ce qu'on s'en fout d'Henri quand on a un Gaston Curvelo en sélectionné. Maintenant, y est ma place. Regarde, Trezeguet, je vais te montrer comment gagner. Moi, Gaston Curvelo. Ah là là, putain. J'ai lâché un monstre. Bon, bah écoutez, la Géorgie. Ils ont qui, Géorgie? Kalad, il joue encore à cette époque? Ah ouais, Kaka Kalad. Donc il s'est présenté, il me semble, politiquement en Géorgie. Je crois dans les élections municipales ou peut-être régionales. Ou il s'est présenté en tout cas. Parce qu'il est retraité maintenant. Yachvili, ça me fait penser au rugbyman. Comme Yachvili, oh, ça doit être sa contrefaçon. Kizanichvili. Ah oui, une drôle de tête. Levan Kenya, ah il était connu lui, il a joué à Schalke. Ouais, il a joué à Schalke. Tanatanasvili, ouais. Michel Dij, Diasamids, Kandelaki. Ah ouais, c'est plus simple ça. Putain, Chachechvili. Putain, mec, il se faisait chier. SH, SH. Voilà. Bon, bah, les Georgiens, on va vous foutre une piquette. Bon, je rappelle qu'on est mal classé en plus. On est troisième. Oh, ils sont juste devant nous. Bon, on va vous défoncer, les Georgiens. Bon. Georgie. Ok. Il a marqué Gaston? Ah, je suis pas sûr. Putain, mais foutez quoi les mecs? 3-2 contre la Géorgie, quoi. Ouais, c'est Govou, quoi, il avait trop bu. Rotten. Ah non, Rotten, il est pas bon. Il peut jouer à arrière droit, Ben Arfa. Ailier droit, pardon. Bon, il peut pour c'est une vraie merde. Ah, Nasri peut jouer ailier droit. Ah non, il joue à gauche, il me semble. Ah bon? Ouais, non, non. Putain, mais ils servent à rien. Ah, c'est Calvé. Putain, j'avais aligné Calvé. Ah oui, j'ai pas peur, moi. Oula. Moi, ouais, le Narmendi. Mec, c'est. Ah, mais putain, j'ai même pas pris de défenseur. Bon, ouais, tant pis. Oh, j'ai même aligné Brison. Ah, je suis vraiment un vrai cinglé. Je joue avec le. Gaston! 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 Ça y est, c'est bon. Là, j'ai. Le monstre est là. Cherchez pas. Le futur de l'équipe de France, je l'ai. Il s'appelle Gaston Curvelo. Oh, regardez! Regardez-moi mes fans féminins! C'est moi, Gaston! Regardez ce beau jeune homme! Regarde dans mes yeux! Il a mis un triplé? J'ai mis un triplé. Non, un doublé quand même! J'ai lâché un monstre! Gaston! De toute façon, ce sera le titre de la vidéo, hein. Le réveil de Gaston. Gaston en force, je sais pas comment je vais appeler cette. Ah, Gaston. Regarde Calvé, tu es une merde. 8, toi 11, moi 18. J'ai même 28 sur 20. Moi Gaston.
L'attaquant titulaire de Nancy. Alors, Dia, où es-tu? Retourne à Amiens, ton bled de merde. Dans la Venise du Nord. D'après les Amiénois, ce serait Amiens serait la Venise du Nord. Ah, c'est drôle, hein, moi aussi, ça me fait rire. La Venise du Nord, putain. Ça va les chevilles, oh, ça va. Non, ça va, écoutez, maintenant que j'ai la bête Gaston Curvelo, là, c'est bon. Dire que j'ai voulu le mettre sur la liste des transferts, mais quel idiot! Putain, bah écoute, Dia. Ouais, bah non, je refous Hadji, hein. Hadji Curbelo, ça y est, j'ai ma paire, là. Les deux font la paire. C'est un ancien gardien de Nancy, la paire. Eh ouais, bah, que des références partout ici. Ah, Ferry m'a déçu, Bazerka. Neuchâtel, il est pas mauvais, il a joué des bons matchs, moi. Bah, de toute façon, Drelus, il est encore capoute. Oh, mais il fait chier. On va repartir sur ça. Écoutez. Grigorini, ouais, non, peut-être pas quand même. Bon, contre Nantes. Ouais, c'est déjà un niveau un peu plus élevé. Le FC Nantes. Les Canaries du FC Nantes. Donc, grande équipe. Maintenant entraînée par. Ranieri. Ils ont fait une bonne première partie de saison, en plus, le FC Nantes. Moi, j'aime bien Nantes. C'est une bonne équipe de Ligue 1 quand même. Putain, Berengui, il fait de la merde encore. Mais regardez par contre, Neuchâtel 18. Très bon Neuchâtel. Calvé remplace Chrétien. Tu me sens, je te tue! Ça, je vous laisse. Eh, on tient le match nul contre Nantes. Enfin bref, ouais, Klasnik a marqué, mais on tenait le match nul. Eh, Neuchâtel 17, très content. Ouais, on a perdu, mais bon, c'était pas trop mal. Heurtebise. C'est le mec qui te heurte deux fois. Il m'a rival. Jean-Jacques. Ouais, c'est notre nouveau défenseur, il s'appelle Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques Pierre. Pierre Jean-Jacques. Ah, Gravegarde. Ibrahim Tall. Oh, Ndouk, qui était nul. Oh putain, il se tractait une caravane, Ndoy. Ah, Fatih. Ah, Capou, il était pas mauvais, Capou. Les délices de Capou, comme dirait Brassens. Abdoun, il était bon, Abdoun. J'aimais bien Abdoun. Je sais pas où il est maintenant, Abdoun. Il faisait de bons matchs avec le FC Nantes. Babovic, ok. Avec la Sneak, ouais, bon, il est assez régulier avec la Sneak. Hein. Ouais, il m'a mis un but, espèce d'enculé. Ah putain, je. Et Valenciennes, et quand ils gagnent? Bah oui. Contre qui ils ont gagné, c'est con que je rigole? Auxerre. Ouais, bien sûr. Contre Auxerre qui était 7ème, oui, bien sûr. Et Valenciennes, ils ont battu Sochaux, c'est quiche de Sochalien. Si... Ouais, mais non, mais ils se foutent de ma gueule, hein. Quelle tristesse. Plus grande influence de la saison. Waouh. Bah écoute Gaston, tu m'as déçu. Ouh les Young Boys, attends. Là ça rigole plus. Donc il faudrait que je me rachète un milieu de gauche. Bah fou, de toute façon mes milieux gauches ils ont rien branlé. Et un milieu droit quoi, clairement. Ouais mais j'ai plus de sous je crois, je suis en... Ah non j'ai 1 million de transferts, par contre j'ai... Faut joindre du monde quoi. Ah, Isomas. Ah, Brison il est KO. Ouais, voilà. Le problème c'est que Brison il commence à enchaîner les matchs. Il a un peu de mal à suivre maintenant, Paprika. Bon. Oh putain, j'affronte le leader après, vous avez vu. Bon, on va essayer de battre les Young Boys. Donc, équipe suisse, les Young Boys. Donc, je devrais les battre quand même. Neuchâtel, je te laisse. T'as vraiment fait des bons matchs, y a aucun souci. Par contre, je vais reposer Brison. On va foutre, il est où l'autre con là? Yoann Rivière, t'sais, putain quelle merde quoi. Comment j'ai pu. Hey, Udukoma là, Uzumaki, te fais jouer. Oh, Curbelo, on va te reposer. Quoi, tu ne veux pas me faire jouer? C'est pour ton bien, c'est pour te reposer. D'accord. Il faut laisser reposer la star. Ouais, la star, voilà. On va laisser reposer notre star. Notre nouvelle star. Gaston Curbelo. On pourrait même peut-être se qualifier pour le prochain tour quand on y repense. Ça pourrait être possible. Là, faut qu'on gagne contre les Young Boys parce que contre Everton. Ah merde, ça passe pas là, on a un peu de mal. Akaman Hill, bon bah écoute. Non, Fortuné plutôt. En même temps, Fortuné, il est pas foutu de foutre un but quoi. Ouais, Yann Rivière, il est nul à chier quoi. Pourquoi j'ai recruté cette merde? Voilà, ma pire erreur de casting. Et voilà! Oh putain! Merci Dia. Dia nous sauve. Ah bah je suis content, enfin Dia il marque un but, ça va peut-être lui faire du bien d'avoir marqué.
Oh, ils ont eu des blessés, je suis de vache. Et me v'là premier. Donc si je perds le prochain match contre Everton, c'est pas grave comme ils sont deux. Ah ouais, mais faut que Moscou. Je sais pas combien. Je sais pas si ce sont les deux ou troisième qui sont qualifiés. Faudrait que je fasse un match nul contre Everton, ce serait bon. Si je fais un match nul, ça devrait être bien. Ouais, N'Golo, j'ai dû te payer une prime, sérieusement. Seriously? Allez, dernier match de la vidéo. Contre le. Ouais, c'est plus le leader Saint-Etienne, ça doit être Lille, je crois que c'était Lille qui était dedans. Bon, contre Saint-Etienne, bon, écoutez, c'est le leader, je m'en fous un peu. On va faire tourner. Écoute, Samy, je te laisse jouer à Dalton, tu peux jouer. Du chemin, tu vas jouer. Berenguer, tiens, tu vas jouer milieu droit. Je vais tester milieu droit. Et en attaque, je vais laisser Dia. Écoutez, Dia, il s'est bien démerdé. Il a mis son but, je suis content. On va foutre Kamanil. Et voilà, tu sais. Ouais. Ouais, parce que je vais faire un peu tourner, je sais pas. Là, de toute façon, contre Saint-Étienne, je vais me faire ouvrir. J'y vais la fleur au fusil, je m'en fous un peu. Ouais, c'est le dernier match en décembre. Non, on ira jusqu'à Everton. Pour voir un peu. Comme ça, on pourra faire le mercato après. Oh putain, si on tient le match nul, je suis guette. Ouf, ouf. Ok, alors là, on va changer. Ok, on va jouer la défense au taquet. On va jouer à 5 défenseurs. Deux milieux défensifs. Cavani tout seul en pointe. Pas de soucis, mon gars. On va jouer en tir de loin. Et contre-attaque. Là, pas de soucis. Tirez-moi de loin. Foutez-vous le plus bas possible et protégez-vous. Oh putain, match nul. Parfait. Oh, espèce de con. Tiens, tu veux une sanction, elle sera sévère. File-moi 4000 euros. Oh putain, je suis content. On a fait match nul contre eux. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient, Saint-Etienne? Viviani? Ouais, non, c'était Jeannot dans les buts. Hein, faut pas arriver. Varro. Ouais, Varro. Varro. Varroco, comme le lycée Varroco. Sylvain Monsoro. Ah, espèce de connard, Monsoro. Tavlaridis. Oh, Sougé, il a joué dans Cyberk. Oh, le Blaisou! Dernis. Ah, ouais, il a joué ici. Sale. Oh, il a toujours été nul. Ah, Miralas, il était pas mauvais. Enfin, très inconstant, Miralas. Bah, fait Team Geek Gomis, la Panthère Noire. Ah là là. Il est en Turquie maintenant, lui. Galatasaray, je crois. Crax! Putain, il joue au Monaco, lui. Oh, putain, qu'est-ce qu'il était nul. On s'en est débarrassé, hein. Alors, un petit point, ça nous plaise. Oh, putain, con, ils ont encore gagné? On est à 4 points encore de la. Oh là là. Oh non. Et puis même ça. Et puis même Valenciennes qui fait nul, putain. Mais c'est quoi cette triche? Santé par contre 5ème. Vache. Je voulais voir un petit peu notre match. Ça avait donné quoi? Ouais, 3 tirs quand même. Pas trop mal. Ouais, écoutez, c'est plus que rien. Footballeur du mois. Larsen. Larsen Lupin. LOL. Ah, c'est Martial Romain Desbois. LOL. Ouais, qui avait Nagui. Ouais, t'es pas mauvais. Issardi a désespéré. Issardi n'a pas marqué depuis 812 minutes. À croire que quelqu'un lui a acheté un sort. Ouais. Cavani, le frustré. Ouais, bah, ça veut dire que mes attaquants sont nuls à chier. À peine, toi, il a mis deux buts. On a gagné 4-1 contre Vesoul. T'as voulu voir Vesoul et t'as vu Vison. Ou Virson. Enfin, vous m'avez compris. Vous m'avez compris! L'Algérie française! Non, c'est je vous ai compris plutôt. Je vous ai compris. Allez, on va tenter pour Everton. Ce sera le dernier match de cet épisode. Ouais, Everton, il doit avoir la blinde de grosse équipe. Donc c'est une bonne équipe, Everton. Le seul bon club de Liverpool, hein, n'est-ce pas? Alors, Everton, qu'ils ont un petit peu? Attends, on va plutôt regarder dans le machin, dans la comparaison des équipes. Donc club anglais, bien sûr, pour ceux qui se demandent. 800, ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais pas assez pour mon Gaston. Bah, Paprika, tu vas rejouer, hein, écoute. Parce que l'outil est nul à chier. Neuchâtel, tu vas partir. On va foutre la grosse équipe. Oh putain. Attends. Ah non, Berenguer, j'avais mis le droit. Et on fout mon Youssouf. Et maintenant je vais jouer mon arme secrète. Le Gaston.
Alors, quelle équipe ils ont un petit peu? Tim Howard, ah oui, l'américain. T'es pas mauvais. Bon, il est vieux maintenant, je sais même pas s'il joue. Nuno Valente, ouais. Ah, j'ai Gelka, j'aimais bien. Yobo. Hibbert. Ah, Filou! Le frère de Gary Neville. Merde. Ouais, t'es meilleur, Gary, quand même. Donc, ils ont joué à Manchester. Van der Merde. Van der Merde. Ah, merde. Arteta était bon, Arteta. Il est où maintenant? Il avait fini Arsenal après, mais. Ah, Steven Pienaar. Yakubu, oh Yakubu, il jouait là. James Vaughan, Ian Turner. Ah, Fellaini. Ouais, il avait passé Big Two, vous avez vu? Normalement, il a une Big Touche lui. Il joue à Manchester maintenant. United, Rock Duel. Ah, l'ancien jeune espoir, Rodwell. Putain, vache. Oh putain, lui, ça, attention. Bref, donc on devrait se faire défoncer. On va essayer de tenir le match nul. Pour espérer être qualifié et se gagner un peu d'argent, hein. Quoique, de toute façon, les tours en Coupe d'Europa. Oh, bah, ça commence bien. Yakubu, il en a rien à foutre, lui. Il nous met son petit but. Cinquième minute, il nous scie les pattes. Ah, Gaston, tu t'auras. Non, you will stay! Oh putain. Oh, footman. Ah, Malonga, il peut. Ah non, Berenguer, ouais. Oh là, quelle équipe de merde, quoi. Quand on voulait faire un truc avec Nancy, quoi. Ouais, Macaluso. Oh là, Yakubu. Wadou, ta gueule sévère, tu nous fais chier 8000 euros. Oh, ça va, deuxième. Ah non, mais ils ont pas joué, merde. Ah! Ah non, ils ont pas joué les autres. Écoutez, je sais pas si je suis éliminé ou pas du tout. Parce que le problème, c'est que. Ouais. Si les autres gagnent. Je sais pas si c'est les trois premiers ou les deux premiers. Ou si y a encore un barrage, vu que ça change tout le temps. Mais en tout cas, nous verrons ça la prochaine fois, si on est qualifié ou pas. Alors les prochains matchs, Lorient, ça devrait aller. Grenoble, on va les défoncer. Et Marseille, on risque de perdre. Et après, nous avons la trêve estivale, donc le mercato. Jusqu'en janvier. En janvier, ça va Nice, Toulouse, Le Havre, ça devrait passer. Et écoutez, on va voir ça la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cet épisode avec le tout-puissant Gaston Curbelo!